na mshukuru mungu aliyetulinda mwaka mzima hey, hey. ametupanema ya kwishi duniani ametulinda na ajali zote walio warembo kutuzidi wametoweka walio matajiri kuliko sisi wametoweka While na go on a vehicle, one met a week. Happy day, happy day. Happy day to you. Happy day. Oh. Happy day to me. tumewaona viki wengi wakishindikizwa makaburi makaburini kuzikwa siitungaliwazima tumempa mungu nini tumefanyanii nema ya mungu ndio ndiwoimetutosha wetu wamelindwa zetu jamazetuzimelindwa a La communauté congolaise, de, de Champagne, Champagne County. County. Attention, pourquoi tu aimes ce que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est-il? La réponse est tout à Vive, vive, nous sommes. Voilà, très chers membres de cette grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonsoir. En ce mardi, aujourd'hui, et plutôt en ce jeudi, nous sommes déjà le 24 mars 2022. Laissez-nous commencer par notre formule habituelle. Disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir. Nous disons merci à Dieu qui nous a donné ses souffles. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à ceux qui seront connectés après. Et nous disons merci à ceux qui nous soutiennent d'une façon ou d'une autre. Nous sommes en train de partager. Faites la même chose que moi, s'il vous plaît. Partageons notre éditeur comme je l'ai dit pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. C'est vrai, je ne me suis pas annoncé aujourd'hui. Je voulais juste faire une petite expérience voir combien seront en ligne sans que je ne puisse annoncer. Voilà, je vous demande de partager, partager. Partager ces directs. C'est vrai qu'on va parler peu aujourd'hui, c'est juste que nous avons dit que nous allons venir aujourd'hui, sinon, plus nous passons des jours, plus des histoires à parler deviennent euh, accumulées et ça nous prend le temps. Alors, nous avons dit qu'après chaque deux jours, si nous avons le temps, nous pourrons commencer à passer. Du moins, je vous prie, je vous demande de partager notre direct et s'il y a moyen de mettre des cœurs pour que ça puisse booster, ça puisse booster. Alors, juste le temps que je partage, peut-être que vous faites comme moi, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un partager, parce que ça devait me signaler. Mais donnez-moi quelques minutes. Le temps juste, je termine de partager au groupe, que, quelques groupes que j'ai. Comme ça, on va dire de quoi, on, nous allons dire de quoi nous allons parler ce soir. C'est vrai qu'il est aujourd'hui... Euh, jeudi, comme je le disais, il est à ma montre, 20h22, minutes, l'heure de Chicago, l'heure de Champagne l'heure de Illinois Central. Et nous allons juste nous entretenir pendant un peu de temps et nous allons nous dire au revoir. Juste ici, un peu encore. J'ai ça. Ici, ici. Là-bas, juste le temps de partager et finir. Et puis nous allons commencer. Vous savez, vous comprenez que je suis moi-même régisseur et devant la, la, la caméra. Donc ça me prend deux fois le temps de faire tout ça. Voilà, je crois avoir fini. Voilà, je crois avoir fini. Merci maman Loujo Loyondo Ladio. Merci d'être connecté. Merci à vous, papa JJ Jamba. Nous sommes à Bloomington. Merci beaucoup pour le commentaire de tout à l'heure. L'autre fois, je me suis fait les devoirs des de dire merci aux gens papa prospère panopabi merci pour ces commentaires qui nous va trop droit au cœur ce que vous avez écrit sur notre page merci infiniment nous disons merci aussi à tous les hommes de Dieu ici sur place nous allons parler de quoi aujourd'hui aujourd'hui nous allons d'abord parler des deuils nous avons deux deuils dans la communauté ici nous allons parler de ces deux deuils là nous allons parler de États-Unis, est-ce que nous tendons à la disparition de portefeuilles que nous avons en nos portefeuilles où nous mettons nos identités ou pas? Nous irons à Chicago. Quelqu'un vient encore de tuer. Encore des tueries. Qu'est-ce que s'est passé? Nous parlerons de ça. Nous parlerons des États-Unis qui accueillent les Ukrainiens. C'est vrai qu'il y, a... y a maintenant les gens qui commencent à parler. Pourquoi ils parlent? Nous vous parlerons de ça maintenant. Nous parlerons aussi de, des États. Nous allons citer les États qui prévoient. Et vous savez, l'autre fois nous vous avions parlé de l'argent que l'on veut donner aux gens, mais il y a de ces États sur le plan d'État qui prévoient déjà d'envoyer l'argent aux gens qui y habitent. Quels sont ces États et combien d'argent ils vont envoyer Nous allons parler de ça. Nous parlerons aussi de la vaccination. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la vaccination. On va essayer de parler un peu de la vaccination. Et c'est autour de ça que nous allons converser ce soir. C'est ce que je vous ai dit que nous irons très rapidement. Maman Yves Mahani, merci beaucoup d'avoir aimé nos, notre vidéo. Maman Jeannette Timbongo, merci d'être connectée aussi. Maman Jolie, à vous, aller. Je vais commencer par une vidéo. Je l'avais déjà passée. Juste un récapitulatif, un, un rappel. Parce que bientôt, il y a le cours d'anglais qui commence à Stand Quick. Pour ceux qui avaient oublié ou pour ceux qui ne savaient pas encore ou pour ceux qui ne nous avaient pas suivis ou qui avaient oublié de mettre dans leur calendrier, nous allons repasser cette vidéo. C'est vrai que c'est en français et puis en anglais. Madame Jessica s'est fait interpréter. Nous allons suivre et puis nous revenons. Bonjour, je m'appelle Jessica. Bonjour, je m'appelle Esther. Et nous sommes d'annoncer que services de Champagne-Urbana avec le projet REED To bring free ESL classes to the francophone community at Stone Creek Church. Nous sommes très heureux de vous annoncer que les service d'immigrants de Champagne Urbana, en partenariat avec le programme Reed de Parklands, offriront des classes d'anglais gratuites à la communauté francophone. Classes will begin April 17th from 4 to 5:30 pm. Les classes débuteront le 17 avril ici à Stone Creek Church chaque samedi de 16h à 17h30. Will be et la garde des enfants sera aussi pour vous. We are also on workshops to build and applications. Nous avons aussi prévu d'avoir des ateliers où nous aiderons les gens à rédiger leur CV et les aider avec leur inscription du collège. We look to you there. Et nous avons hâte de vous voir. Voilà, la vidéo c'était en français. Je crois que nous avons suivi ce qu'ils ont dit. Prenons rendez-vous. Allons étudier. D'ailleurs, je profite pour dire félicitations à maman Janine Bumba. Elle s'est beaucoup, beaucoup battue, cette maman-là. Elle a étudié aujourd'hui. Elle a maintenant le master ici aux États-Unis. Félicitations, maman Janine Bumba. C'est un exemple que nous devons suivre. Vraiment un bon exemple. Et si vous savez, quand vous étudiez dans ces pays et quand... Vous allez voir combien on vous propose sur l'échelle professionnelle. Vous allez vous dire, waouh, je n'ai pas passé le temps au, euh, en étudiant. Alors, félicitations, Maman Janine Bumba. Et nous encourageons, nous tous, nous nous encourageons d'aller étudier. L'anglais, là, c'est gratuit. Il suffit seulement que vous preniez votre temps. C'est les samedis, les après-midi. Alors, enregistrons-nous. L'autre fois, je vous avais envoyé les liens pour euh, s'enregistrer. Alors, enregistrez-vous. Enregistrez-vous parce qu'il faudrait que deux fois, pas deux fois, il faudrait que nous sortions de cette culture. Nous avons été éduqués par les Belges d'entrer dans le boulot avec des cravates, veste, et nous devons suivre l'exemple. Maman Janine, merci, je ne savais même pas que vous étiez en ligne, je vous en prie. Je crois, que je vous avais dit, je vais vous prendre, que vous puissiez venir nous dire qu'est-ce que vous avez fait. C'est un parcours qui n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je ne veux pas dire les postes que vous occupez, mais je les dirai après. C'est un très grand poste, très grand poste, un très bon poste à cause des études. Et c'est vraiment encourageant pour les mamans qui, qui disent des raisons. J'ai des enfants à la maison, j'ai ceci, j'ai mon mari, je dois m'occuper. C'est quand même un bon exemple que nous devons suivre et encourager. Bravo, Maman Janine, pour ce que vous avez fait. Vous avez eu un titre ici. c'est pas facile. Et que Dieu continue à vous bénir. Parlons des, deuils. Parlons des deuils. Nous allons commencer par le deuil qui est arrivé il y a deux jours ici. Notre deuxième vice-président de la communauté, Papa Michel Kalinga. Il est endeuillé, il a perdu sa belle-sœur. La femme à son frère aîné qui nous a quittés. C'est vrai. Il y en a qui connaissent les DJ Zorino Anaconda qu'on appelle les DJ Anaconda, Mama Betty Mujinga. C'est la grande famille ici à Champagne qui est endeuillée et ça fera la joie que il voie nous ce frère. Nous c'est la, la communauté. Vous savez c'est le deuxième vice président et le premier vice président. Excusez-moi, le premier vice président de la communauté. Papa Michel Kalenga, qui est un deye, qui a perdu sa belle-sœur. Et je nous encourage d'aller euh, les soutenir dans ce moment très difficile. Didja Anaconda, vous le connaissez, il vient nous engrémenter dans deux fêtes. Mama Betty Mujinga, nous les connaissons. Donc en fait, c'est cette grande famille qui a perdu leur sœur qui s'appelle Fusée Mukadi et que son âme repose en paix. Ils n'ont pas encore donné le programme. Si jamais le programme euh, venait, nous allons venir encore. Et nous vous le dirons. Du moins, que son âme repose en paix et toutes nos condoléances. La communauté Papa Michel, Papa Zoro et puis euh, Maman Betty et toute la grande famille, nous, la communauté, nous pleurons avec vous et acceptez nos sincères condoléances. Nous avons encore un autre deuil. Cette fois-ci, le papa nous a quittés toujours au pays, toujours au Congo. C'est le papa de notre compatriote Tété Ndouba. Je vais passer l'image du, du papa qui nous a quittés et puis je vais passer l'image de notre compatriote. Voilà, le papa qui nous a quittés, il est là. Il s'appelle Papa Noël Takunda. Il nous a quittés le 17 mars 2022, il y a exactement sept jours. Et il sera enterré ce samedi à Kinshasa, au, au nécropole. C'est là qu'on va l'enterrer. Notre compatriote qui habite avec nous. Est euh, là, notre compatriote qui habite avec nous, Mama Betty Nzumba, et plutôt Mama Tété, je m'excuse, Mama, parce que j'ai vu Mama Betty en ligne, Mama Tété Nzumba qui habite avec nous, elle pleure son père, alors elle habite Westgate, je crois que nous connaissons là où elle habite. Il serait mieux que nous, la communauté, nous allons pleurer avec nos compatriotes qui pleurent. Perdre un père, c'est pas facile, surtout si on perd. Le papa est qu'on ne sait pas aller, on est loin, ça fait mal. Et la famille qui est là, c'est nous. Alors, ce samedi, on, a, on va atterrir à Kinshasa, mais ici, euh, ici aux États-Unis, il y aura un bain de consola consolation à Savoy. Savoy, vous connaissez vous tous les quartiers Savoy. L'adresse, c'est euh, 425 West Paradox. Donc, je lis comme en français Paradox Drive. Nous sommes à Champagne. Les zip codes, c'est 61 874. Oui, Alors, samedi ici, nous nous donnons rendez-vous pour aller pleurer avec notre compatriote qui va, euh, qui, qui va perdre, et plutôt qui va manquer son papa à tout jamais. Maman Tété, recevez ici nos très sincères condoléances. Nous plairons avec vous, maman. Nous savons la douleur de perdre un papa. Ce n'est pas facile, mais du moins, quand Dieu donne, c'est lui qui décide. De prendre et nous ne pouvons pas résister devant la volonté de Dieu. Que son âme repose en paix. Rentrons maintenant ici aux États-Unis ou sur le plan national. Parlons de la numérisation. Numérisation de nos permis de conduire, numérisation de nos cartes d'identité. C'est pourquoi vous avez vu dans les titres, je écris que est-ce que le portefeuille. Commence à ne plus avoir l'essence ici aux États-Unis parce que ils sont entrés maintenant, ce qui est qu en train de se faire maintenant, on veut que la personne puisse marcher, peut-être avec son, son téléphone ou sa, sa montre hein, qu'on appelle Smartwatch. Dans ça, je parle des Apple, la montre de euh, des Apple ou soit l'iPhone et que tout puisse être logé là-bas. En fait, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire actuellement et pour ça il y a les États qui ont déjà adopté ça qu'est-ce qu'ils ont adopté dans ces États là vous n'avez plus besoin de vous promener avec une carte d'identité c'est numérisé maintenant il y a l'application sur le iPhone je vais vous dire pourquoi je parle seulement des iPhone il y a une application sur l'iPhone, pas iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, non, non. À partir de iPhone 8, tu montes, ils ont mis une application dans ce qu'on appelle Wallet. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle Apple Wallet ou Apple Portefeuille. Si vous allez dans vos applications là sur votre iPhone, vous allez voir, là on a écrit Apple Wallet. Vous allez cliquer le signe plus. Si vous cliquez le signe plus, il y a les instructions qui vont venir et ça va vous demander de scanner les deux faces de votre, soit euh, permis de conduite qu'on appelle Drive License ou soit l'identité qu'on appelle ID. Vous scannez et puis ça vous demandera de vous prendre la photo, photo de votre face. Ça va stocker là-bas. Quand vous êtes devant un agent ou dans, dans le lieu où on vous demandera l'identité, vous n'avez pas besoin... De montrer, même si le téléphone est éteint ou ce n'est pas allumé, vous n'avez pas mis votre code, c'est en mode euh, veille, ils sont capables de scanner et voir votre identité. Soit vous pouvez le faire par euh, téléphone, comme je l'ai dit, Apple, à partir de. Excusez-moi. À partir de l'iPhone euh, 8, tu, vous montez. Ou soit, si vous avez euh, la montre qu'on appelle Apple Watch, à partir de la série 4, donc série 4 de Apple Watch montée, ça aussi vous pouvez télécharger votre identité. Donc vous, vous avez votre identité dans votre téléphone, vous avez vos identités dans, euh, dans votre montre. Ils disent quoi Parce que c'est pour, euh, pour éviter la perte d'identité. Beaucoup de gens se plaignent, ils ont perdu tout ça. Là, c'est facile, vous vous laissez votre identité à la maison, vous avez votre téléphone et tout là-dedans. Là et les Arizona. Et le premier état qui a déjà adopté ça. C'est vrai qu'il y a de ces endroits où ça, ce n'est pas accepté. Il faudrait vraiment montrer votre identité physique. Mais beaucoup d'endroits, vous pouvez euh, passer avec votre identité dans votre téléphone. Mais si vous sortez de l'état d'Arizona et que vous rentrez, là, on vous demandera de montrer votre euh, identité physique. Mais du moins l'identité virtuelle maintenant ou numérisée. C'est ça. Ceux qui sont entrés maintenant de se battre pour que ça soit sur toute l'étendue des États-Unis. Parce que pour le moment, comme je venais de dire, c'est Arizona qui a donné l'ego. Très prochainement, je crois dans les semaines qui viennent, Georgia aussi va faire ça. Connecticut, Iowa, Colorado, Hawaii, Mississippi, Ohio euh, et puis les territoires de Porto Rico. Ce sont les États qui s'apprêtent déjà à adapter ça. Et le but, comme je l'ai dit ici, le but est qu'ils puissent, ils puissent arriver à décharger des portefeuilles, que de se combler des portefeuilles. Parce que vous savez, des les, les cartes, par exemple, vous pouvez avoir votre, les cartes bancaires, vous scannez votre téléphone, vous avez seulement vos cartes ici, vous scannez le téléphone, Ça, c'est déjà un, un acquis. Maintenant, euh, ils disent qu'au lieu de s'encombrer avec des portefeuilles, puis il y a des voleurs qui peuvent venir vous piquer. Les portefeuilles, quand ça part, il n'y a pas de garantie, il peut y avoir l'argent dedans. Mais avec les téléphones, d'abord, il y a des codes. Et puis, pour accéder à vos identités, il y a des codes. Et puis, ça ne peut pas reconnaître que c'est vous. Et c'est sécurisant. Donc, dans le futur très à venir, ils disent que qu'aux États-Unis, nous risquons d'arriver à un point où on n'aura plus besoin de passeports et plutôt de portefeuilles. Tout ça sera dans notre téléphone et puis dans notre montre. De l'autre côté... Il y a les gens qui se plaignent qui disent, est-ce que ce n'est pas un deal qu'ils ont fait avec euh, Apple ou bien les téléphones Apple, ouais voilà, pour qu'ils puissent écouler la marchandise. Ça, ça sera conditionner tout le monde à utiliser les iPhones. Parce que cette application ne se retrouvera que où ça se trouve que dans iPhone. Apple Wallet, c'est là qu'on va loger. Apple, donc, portefeuille Apple c'est là qu'on va euh, on va loger si vous n'avez pas d'iPhone, si vous n'avez pas de vous risquez de ne pas télécharger alors les gens sont en train de dire c'est une interconnexion que le gouvernement veut créer avec, euh, avec Apple pour écouler leurs marchandises obliger les Américains à consommer les iPhones bon ça c'est ce que les gens disent mais est-ce que c'est seulement les Apple qui peut, euh, qui peut être capable de mettre dans son, ses logiciels, dans les téléphones ou dans leurs montres, est-ce que les autres, euh, les autres opérateurs ne peuvent pas le faire Mais pour le moment, le gouvernement ne veut travailler qu'avec Apple et ce sont eux qui ont, euh, qui ont développé ça. Donc prochainement peut-être, ça pourrait aussi arriver à, Li à Illinois, prochainement apprêtez-vous à avoir des téléphones iPhone pour que vous ne puissiez pas vous encombrer avec des portefeuilles, vous pouvez mettre là-bas, vous avez oublié votre portefeuille dans la voiture ainsi de suite. Donc, préparons-nous. Peut-être très bientôt, nous n'aurons plus besoin de portefeuilles. Nous aurons tout dans notre téléphone. Allons à Chicago. Chicago, aujourd'hui c'est jeudi. Il y a deux jours, le mardi, le soir, un chauffeur de, de, de camion qui s'appelle Jeremy Spencer, qui n'avait que 31 ans, on voulait le chasser du boulot. Monsieur Jérémy d'Arkansas. Arkansas, Arkansas c'est son état d'où. Il était avant. Il venait d'Arkansas. Il va se son ancien, et plutôt ses ch son chef, qui voulait le chasser, son superviseur, Nicolas Miso, Miso, Misovic, qui n'avait que 30 ans. Il arrive là-bas de menace, il prend l'arme, il, il tire sur son patron. Le patron était euh, mort sur place. Il quitte le bureau de son patron. Il sort. Il va maintenant à l'entreprise. Il entre. Il trouve un de ses anciens collègues. Il tire aussi sur lui. Lui était très gravement blessé, mais avant que je, je ne commence, on a dit qu'il est mort. Et il a quitté là où il a tiré sur son collègue. Il s'est déplacé de trois blocs. Il s'est mis... Euh, il s'est mis euh, devant une autre entreprise. Il s'est donné une balle dans la tête. Il s'est tué. Donc, trois personnes sont mortes. Simplement parce qu'on voulait le chasser du boulot. Et il s'est déchargé aussi sur son autre collègue. Je l'ai redit et je l'ai redit encore. L'autre fois, je l'ai dit. Pourquoi je parlais de ça Voyons, au boulot, nous, nous, nous partons. Il y a des réactions que nous, dans notre culture, nous trouvons normales. Ça ne peut pas amener quelqu'un... Jusqu'à prendre votre vie. Il y a des réactions que nous nous trouvons normales. Ça ne peut pas amener quelqu'un jusqu'à à, à, à aller au pire. Nous, peut-être, les gens se chamaillent. Ils euh, créent des petits groupes, ainsi de suite. Mais la culture ici, elle est très compliquée. Seulement parce qu'on voulait les chasser du boulot. Il s'est décidé, non. Il a mis fin. C'est vrai, c'est un camionneur. Juste un petit rappel et un conseil. Nous devons savoir comment nous intégrer dans cette culture. Nous devons savoir ce que nous ne devons pas dire et ce que nous ne devons pas faire. Je vais donner juste un exemple. Dans notre, dans notre façon d'être au Congo, je peux dire à quelqu'un que Ici, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, Oza oh, non. Ou bien oye Mounene, non. Mais chez nous, ça passe. Vous voyez que ce sont des choses que peut-être quelqu'un ne connaissait pas. Tu peux pas dire à quelqu'un comme ça, et ça devient grave. Hein? Donc nous devons nous imprégner euh, de la culture. La même chose, nous, chez nous au Congo, quand quelqu'un t'appelle comme ça, c'est de l'insulte. Mais ici, c'est normal. Mais il y a les gens qui s'énervent. Comment Ils s'énervent ils se fâchent. Ainsi de suite. Donc c'est juste pour vous dire que faisons très attention. Il y a des gens qui ont des gâchettes très faciles que nous n'avions pas au pays. Trois personnes sont mortes comme ça à cause d'une remarque de travail. Parce qu'on voulait les chasser du boulot. Il a agi comme ça. Alors soyons très, très regardants, très prudents. Là où nous travaillons. Les États-Unis. S'apprête à accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens. 100 000. Vous savez qu'actuellement, ce n'est pas à vous rappeler, en Ukraine, il y a la guerre que tout le monde connaît. Aujourd'hui, c'est le 24, ça avait commencé depuis le 24 février. Aujourd'hui, ça fait 4 semaines, le 24 mars. Les gens fuient. Le, le pays qui les accueille pour le moment, c'est leur pays voisin qui s'appelle Pologne. Mais ils, sont, ils commencent à être débordés. Notre président américain, il est en Europe. Il est parti pour les parler. Pour montrer aussi euh, son attachement au, à l'OTAN qu'on appelle NATO. Les réfugiés euh, le réfugié ukrainiens ne font que partir. Plus de 3 millions et quelques personnes ont dit qu'ils ont fui. Ils se retrouvent à un certain point qu'ils n'ont pas où aller. Les Américains ont promis de les aider bien que ils ont ajouté encore d'un milliard l'aide alimentaire pour l'Irak. Aujourd'hui, le président Joe Biden a dit, avec cette crise, la, les, les, le monde entier, ça risque, ça c'est le, le propos du président Joe Biden aujourd'hui, le monde entier risque de souffrir parce que la production des blés, qui est l'Ukraine, fournit le blé mondialement. Ça va créer un problème très grave qu'on ne saura pas arranger d'ici là. Et d'ici là, au monde, nous risquons de traverser. C'est vrai qu'il y a déjà des denrées alimentaires qui se font rares. Je suivi aujourd'hui les gens qui ont publié des, euh, sur Facebook ainsi de suite dans des réseaux sociaux sur WhatsApp. Un monsieur au pays là-bas, il est parti avec son sac là. En l'émission, il montrait cette, cette farine ici, ça coûtait autant. La bouteille d'huile ici, ça coûtait autant, ainsi de suite. Je vais parler de ça juste un peu. Donc, je disais d'abord, l'inflation mondiale, le président Joe Biden a dit ça. Alors, les États-Unis s'apprêtent à accueillir 100 000 Ukrainiens maintenant là, bien, très bientôt, mais ils doivent attendre jusqu'après septembre pour que cet exercice se termine, pour qu'ils voient un nouveau budget, voir où est-ce qu'ils peuvent les loger, ainsi de suite. Ceux qui veulent entrer aux États-Unis ou les Ukrainiens qui voudront entrer ici, ils attendront jusqu'au mois de décembre ou après décembre. Et plutôt septembre, excusez-moi, septembre, ou après septembre, pour qu'ils puissent entrer, afin que l'exercice budgétaire ici se termine et qu'ils votent un nouveau exercice budgétaire où ils doivent inclure aussi toutes les données là pour les accueillir. Mais entre-temps, les gens maintenant se plaignent. Ils disent, le président Joe Biden avait accueilli, quand il est entré au pouvoir, 80 000 Afghans. Vous vous rappellerez que les... les, les les Américains étaient en Afghanistan et ils devaient quitter. Après leur départ, il y a eu ce qu'il y a Vous avez vu même des avions où les gens voulaient monter comme ça. Ils ont accueilli 80 000. Maintenant, là, ils il s'apprêtent il, il à accueillir 100 000. C'est vrai qu'il y a des tendances qui, qui vont dans des sens. Pourquoi est-ce que cette réaction est devenue très rapide Il y a des pays qui font des guerres. Ça, je ne vais pas trop entrer dans ça. Vous comprenez de quoi je veux parler. Mais ce qui est qu il vrai, 100 000 personne venant de l'Ukraine se prépare à venir. Deux fois, nous condamnons, deux fois, nous observons, deux fois, nous analysons. Mais je voudrais seulement dire à quelqu'un ce soir que ceux qui ont déjà vécu la guerre, ils savent que c'est pas facile. Vous perdez tout, vous partez tout, vous partez même là où vous ne connaissez pas, ainsi de suite. Mais cette situation ici d'Ukraine a créé... La crise qui était déjà là avec la, le, le coronavirus ici, il y a des ports qu'on avait fermés, la circulation des histoires, c'était pas comme avant. Au Congo, il y a une crise aussi actuellement qui commence à se faire voir. L'huile change de prix du jour au lendemain, le pain change de prix du jour au lendemain, le, le carburant, n'en parlons pas. Alors les gens parlent et là, les gens parlent. Le grand problème avec le Congo que nous avons, c'est parce que nous ne produisons pas. Les États-Unis... Ils produisent. Là où ils produisent, d'ailleurs, ils disent qu'il y a l'inflation. À plus forte raison. Là où nous, nous importons même l'aiguille, le, le, le simples aiguilles comme ça, Tonga, nous importons. Il y a un problème de sang Ça m'étonnerait. vous ne... Apparemment, Maman Yves Mahania m'a dit qu'il y a un problème de son. Mais apparemment, le son est bon. Chez moi, ici, ça montre... Hein? quel son est bon. Je ne sais pas. Je vais essayer de rapprocher, de rapprocher mon petit micro. Euh, Maman Yves, je ne sais pas si c'est mon son ou bien c'est de votre côté. Parce que vous êtes la première personne à me dire que j'ai un problème de son. Je pense que c'est chez vous. Donc je disais que le grand problème du Congo, c'est vrai qu'il y a l'inflation, c'est partout. La crise alimentaire, excusez-moi, c'est partout. Le grand problème chez nous, c'est nous devons produire. Il y a beaucoup de débats aussi maintenant qui se font. Je n'aime pas entrer dans ça, comme je dis, toujours, nous ne parlons jamais politique ici. Il y a beaucoup de débats qui se font. Les gens qui se considèrent être, être venus venant de, de, du continent d'où nous venons, ils disent que non, dans ce continent-là, il y a beaucoup de guerres jusqu'à aujourd'hui créées pour des déminérer ainsi de suite. Pourquoi il n'y a jamais eu cette réaction comme ça, là, non, nous allons prendre autant ainsi de suite. Les, les gens qui avaient eu les, la chance de venir après des catastrophes naturelles, d'ailleurs, c'était des catastrophes naturelles, c'était les Haïtiens. Et après, on les a remballés, vous connaissez ce qu'il y a eu. Maintenant, les gens disent comment est-ce que. Merci, papa Arsène Kachala, merci. Maman, maman Fusé aussi a dit son. Mais apparemment, il ah, y en a, ma papa Vernon. Merci pour le feedback. Merci, donc, on m'a dit que le son est bon. Donc, je disais que. Il y a les débats maintenant qui se font. Les gens qui, qui, qui sont ici, il y a des vidéos que je ne peux pas faire euh, passer ici parce qu'on risque de nous, de nous bloquer encore. Ils disent que non, en Afrique, là-bas, il, il y a des guerres. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu une réaction rapide comme ça de ⁇ oh non, on fait venir 100 000 Africains ici, 200 000 Africains, 300 000 Africains ?⁇ Il y a de, beaucoup de débats très politiques, très contradictoires. Est-ce que... C'est ce que les autres disent qui est vrai, ou nous, nous devons seulement observer. Mais une seule chose, je dirais à nous qui sommes ici, est que ça répète deux fois. Ok, Maman mon Monpoy m'a dit ça va. On m'a dit que ça répète deux fois. Maman euh, Fusée, Maman Betty Mojinga, j'ai essayé de. Maman Fusée me dit que le son n'est pas bon. J'ai deux personnes qui me disent que le son le n'est son pas bon. J'ai d'autres personnes qui me disent que le son est bon. Bon, finalement, attendez, excusez-moi-même, je vais essayer avec mon téléphone. Ok, maman, mon poil m'a dit ça va. On m'a dit que ça répète deux fois. Mama, euh, maman, maman Fusée, maman Betty. Le son est bon. Le son est bon. Je crois que je l'ai vérifié avec mon téléphone. Maman Betty, je crois vérifier ce que vous avez comme appareil. Chez moi, ça me donne un très bon son. Chez moi, ça me donne un très bon son. Maman euh, mama Yves Mayani, vérifiez votre appareil. Le son est bon, apparemment. Maman Janine Vita Bomba. merci beaucoup, maman. Elle m'a dit que ça va. Donc, je disais, la seule façon, la seule façon que nous pouvons éviter de nous poser beaucoup de, que de questions, la seule façon, ça sera que nous puissions nous, nous imposer. Et l'unique façon que nous pouvons nous imposer, c'est de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et faire ce que les autres ne peuvent pas faire, c'est quoi C'est aller aux études. Vous savez, la science, par exemple, beaucoup, beaucoup hein, de gens ne veulent pas aller faire la science. Les études qui ont des calculs, là, ou bien l'ingénierie, ainsi de suite. Lançons-nous à ça. Imposons-nous. Les, les Nigériens aujourd'hui, les Nigériens, d'ailleurs, le pays le troisième, d'ici 10 trois, euh, ans, le troisième pays le plus peuplé au monde, ça sera la, euh, le Nigeria. Après l'Inde, ça sera Chine, Inde, Nigeria. Or, qui dit qui dit plus peuplé dit aussi la grande puissance. Eux s'imposent, les Nigériens ici, ils s'imposent dans beaucoup de domaines. Ils sont, ils vont aux études, ils vont, ils font ceci. Alors, pour éviter de faire des analyses que les autres font, nous, je vous, je nous demande, je nous demande de nous imposer en allant aux études. Mais dis-moi, ce que nous devons savoir. Très bientôt, il y a les Afghans qui viendront. Vous avez, euh, et plutôt les, les Ukrainiens, ont commencé déjà à collecter le bien. Si avec votre 1 dollar, si avec vos chaussures que vous ne portez plus, avec des habits, vous pouvez donner, aider ces réfugiés-là, faites-le. Faites-le. Aidez et puis oubliez. Ça sera bon. Ils ont fui la guerre, ils ont tout abandonné. Mais vous, vous en avez. Aidez-le. Parlons maintenant de la vaccination des enfants. Avant de terminer avec le dernier point des de, 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 les États qui vont envoyer l'argent très bientôt. Vous savez qu'on avait commencé d'abord par la vaccination d'un certain âge. Ils ont changé. On Commence par d'abord par les troisième âge et puis ils ont pris les gens et puis maintenant là on vaccine à partir de 6 ans à, au delà. Là, Moderna il y a deux jours Moderna a dit que la faible dose ils ont expérimenté que leur faible dose tous les enfants de moins de 5 ans, ils peuvent maintenant avoir ça et ils attendent seulement que l'on puisse approuver. <coughs> Sorry. Donc, très bientôt, vous risquez de voir que les enfants, même celui qui vient de naître aujourd'hui, comme on donnait des vaccins là, que l'on dise à cet enfant là de prendre un vaccin. Ici, je viens juste te dire, vous savez, des fois quand on dit des choses comme ça, nous ne nous faisons que traduire en français ce qui a été publié en anglais. C'est tout ce que je fais. Et puis, on va demander aux enfants très bientôt, parce qu'ils ont déjà dit que les enfants de moins de 5 ans, et quand ils commencent comme ça, ils disent que non, c'est déjà la faible dose, c'est déjà bon. Donc nos enfants risquent de commencer à être vaccinés très bientôt. Parents nous connaissons, chacun connaît ce qui est bien pour son enfant. Fais ce qui est bien pour ton enfant. C'est ça le conseil de la communauté que je peux dire. Fais ce qui est bien pour l'enfant. Mais du moins, il y aura ces vaccins-là. De l'autre côté, à partir de demain vendredi, Chicago, on a changé des règles des voyages. Vous savez, avant c'était Covid, ceci, Covid, cela. Mais à partir de demain, ils vont maintenant répar répartir. Ils vont regarder. Est-ce que votre zone où vous venez, c'est une zone à haut risque? C'est une zone à moyen risque? Ou bien c'est une zone à... à moins de risque? Donc, moins de risque, moyen risque, haut risque. Ils vont répartir comme ça sur les maps. Je cherchais les maps là, je n'ai pas vu. Je crois que si, je les, je je, ai, je vais les publier même après. Donc chacun maintenant, avant de venir ou d'aller à Chicago, vous devez maintenant regarder sur ça. Est-ce que ma région là où je viens c'est répartie comment Est-ce que je suis considéré comme venant d'une région de haut risque Je suis considéré comme venant d'une région de moyen risque ou à, euh, de qui n'y a pas de risque ceux qui n'ont qui pas de risque, il n'y aura pas beaucoup de contrôle ou d'exigence que ceux qui sont dans moyen risque ou bien à haut risque. Et moyen risque, ça sera un peu atténué, mais haut risque, ça sera toujours des mêmes mesures ici que l'on prend. Mais ils ont changé leur protocole par rapport à des mesures de coronavirus, bien qu'on dit maintenant que la variante B2, la variante B2 et BA2, ça commence aussi à vraiment être contaminé. Ça commence à beaucoup se contaminer. On a remarqué que dans d'autres pays, ça commence déjà. Bon, je ne sais pas si c'est une façon de, de, de continuer à nous faire porter des masques ou quoi. Mais ce que vous devez savoir, que qu'à Chicago, maintenant, on a changé le protocole de voyage. c'est plus comme avant. On classe maintenant par, à, 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 en, en zone non? moins, moyen et haut risque. Et ce qui est des enfants, sachez que bientôt, peut-être, on demandera à vos enfants, peut-être même quand ils vont naître là, on va demander que non, on les pique. Mais moi, je vous dis, bon, ça c'est personnel. Parents, faites ce qui est bon. Ce que vous, vous pensez que c'est bon pour votre enfant. Que quelqu'un ne vient pas décider à votre place. Décidez. Décidez. Nous allons terminer par le dernier point. D'ailleurs, je vais dire un très grand merci. Je n'ai pas annoncé. Je vois qu'on est 35 personnes en ligne. Ça, ça me va vraiment droit au cœur. Je vois. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je trouverai un jour, je dis toujours, le jour que je trouverai un mot qui est au-delà de merci pour vous le dédier ou vous le dire, je serai le premier à l'utiliser pour vous. Parce que j'avais commencé ces direct, c'était comme une blague. Avant les stimuli, c'était deux personnes, trois personnes. Aujourd'hui, on peut atteindre des centaines de personnes. Merci. Merci, c'est encore rien ce que je vous dis, mais un jour je trouverai un mot au-delà de merci. Mais si jamais ça serait trouvé un jour qu'il y a un mot au-delà de merci, sachez que c'est lui qui a inventé ça ou il a trouvé ça. Il sera le deuxième à l'utiliser parce que moi je l'ai déjà utilisé pour vous. Très bientôt, il y a les États qui vont envoyer l'argent. Il y a l'inflation constatée. Il y a le prix des carburants en hausse. Dernièrement, je suis venu, je vous ai dit que l'on propose les stimulus de 100 dollars par famille en s'arrêtant 4 personnes, 400 dollars pour cette période d'inflation. De, de, parce que l'estimation actuelle, ça dit que le ménage vont dépenser, les ménages moyens ou des familles moyennes vont dépenser 2000 dollars de plus chaque mois. Pour couvrir les besoins en aliments et puis des besoins en carburant. Parce que tout, tout est revu à la hausse. Même Netflix. Netflix est relié. Oh, d'ailleurs, en parlant de Netflix, excusez-moi, c'est une parenthèse que j'ouvre. Si vous avez l'habitude de partager votre mot de passe, vous êtes vous, 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 Netflix vous connaît à l'adresse, par exemple, 10. 10 je ne sais pas moi, San Raymond, Drive, ainsi de suite. Mais demain, c'est quelqu'un du Canada qui se connecte ou des Boulubumbashi ou de Kinshasa. Sachez maintenant que Netflix commence à charger plus. Si on se connecte sur votre, avec votre mot de passe en dehors de votre maison, Netflix charge. Ils ont chargé, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ont arrêté de charger. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Si maintenant vous utilisez, ils ont bloqué, vous utilisez votre mot de passe en dehors de l'adresse où vous vous êtes enregistré, ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Donc, je voulais et puis, Netflix est est revu à la hausse maintenant. Je crois que c'est 15 dollars. Donc c'était juste pour vous dire que tout est à la hausse maintenant. Alors les sta... les... les économistes ont dit que la famille moyenne actuellement aux États-Unis, ils ont 2000 dollars de surplus en dépenses supplémentaires. Donc ces 2000 dollars ça devient au top de ceux qui dépensaient déjà. Alors pour couvrir ça, il y a les sénateurs, le, le, il y a trois démocrates des représentants qui avaient la semaine ici proposé, ou ils ont, ils, ont, ils ont émis un projet de loi pour que l'on commence à donner 100 dollars par adulte, donc par couple 200 dollars. Et puis chaque enfant de moins de 16 ans qui habite avec vous, 100 dollars. Mais du moins, il devait s'arrêter seulement à deux enfants pour faire 400 dollars par famille et chaque mois. Là, c'était pour couvrir les dépenses. Excusez, des carburants. C'est un projet de loi qui doit d'abord passer au niveau de ch des chambres des représentants pour aller au Sénat pour en faire aller sur la table du président Joe Biden signer ça et que ça change en loi. Mais on n'est pas encore là. Dans les autres, dans d'autres États, je parle maintenant sur le plan euh, local, pas sur le plan fédéral, parce que les 100 dollars c'est sur le plan fédéral. Sur le plan des ét États, il y a des États qui sont déjà proactifs. Il y a leurs sénateurs qui ont déjà proposé des lois, et très bientôt, je crois, que ça sera adopté, pour que l'on commence déjà à donner aux gens l'argent en dehors de cet argent, si ça passait sur le plan fédéral. Mais la mauvaise nouvelle est que notre État d'Illinois, nous ne faisons pas partie de la liste de ces États-là. Mais la bonne nouvelle est que les autres qui nous suivent, vous qui êtes dans les autres États, votre État est dedans. Je vais citer les États et combien chaque État... Compte donné. Donc, c'est ce ce, une organisation locale de l'État. Je, je connais et je sais qu'ici à Illinois, par exemple, il y a l'argent supplément des paquets qui devaient affecter à l'infrastructure et plutôt au, au Covid qui était resté. Et ils ont même commencé à payer le mortgage. L'autre fois, je suis passé pour vous dire jusqu'à 80 000 dollars. On pouvait payer le mortgage pour vous. Je vais vous demandais d'appliquer. Je vous ai même montré les liens ainsi de suite. Illinois a, a proposé d'assister les gens avec des maisons. Mais il y a de ces États qui prennent déjà de, de l'avant. Ces États ne proposent pas 100 dollars, ils ne proposent pas 200 dollars, ils proposent plus que ça. Et je vais vous donner maintenant les détails. Et comme je l'ai dit, c'est pour pallier à cette inflation et à la hausse des prix des nourritures, des prix plutôt de nourriture et puis de carburant. Et c'est une dizaine d'États qui s'apprêtent déjà à faire ça. Donc, si vous habitez là-bas, priez peut-être dans le, dans le jour très à venir ou dans les semaines à venir. Ça peut changer. Ce projet de loi va changer en loi. Et on va vous donner cet argent très bientôt. Envie de venir habiter à, dans votre État pour aussi bénéficier de ce chèque qu'on a d'ailleurs appelé chèque de remboursement d'impôts. Donc, ça s'appelle chèque de remboursement d'impôts. C'est ce que vous allez avoir. Alors. Commençons par le premier état qui est Georgia. Georgia prévoit de donner 500 dollars par mois. Comment le 500 dollars par mois Ils veulent que 250. Si vous êtes célibataire, ça sera au lieu de 500, on va vous donner 250. Si vous êtes le euh, head of house, head of house, ça veut dire que vous êtes le chef de la maison. Vous n'êtes pas marié, vous, êtes, vous, vous déclarez vos taxes comme chef de la maison on va vous donner 375 dollars. Mais si vous êtes marié, vous êtes couple, ça sera 500 dollars par mois. Là, nous parlons de Georgia. Men. Men, il propose de donner 850 dollars par famille. Ils n'ont pas catégorisé célibataire ainsi de suite, mais ils ont dit 850 dollars. California. California, il prévoit de donner 400 dollars voiture et ils ne calculent pas en termes de, euh, de maison ils calculent en termes de voitures mais il y en a qui ont 10 voitures ils vont pas donner à, pour 10 voitures ils disent 400 dollars par voiture mais ils se limitent à deux ce qui fait que ceux qui sont en californie ils vont avoir si ils ont deux voitures ils auront 800 dollars par mois bon ils n'ont pas dit tous ces états ici que je suis en train de citer ils n'ont pas dit quand est-ce que ça va s'arrêter est-ce que ce sera pour un mois? Est-ce que ce sera pour deux mois? Mais ce qui est vrai que l'inflation, ce n'est pas demain que ça va se terminer. Nous avons encore un long chemin à faire avec ça. Hawaï, il prévoit 100 dollars par personne. Hawaï, c'est 100 dollars. C'est l'État qui est moins. Nous sommes ici à côté, à côté de chez nous ici. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Hawaï, il prévoit de donner 100 dollars par personne et par dépendant. Ça veut dire 100 dollars par personne et par dépendant. Comme les les, les, la loi fédérale qu'on veut voter, Hawaï veut aussi s'arrêter à 4 personnes, donc les parents et deux enfants. Hawaï, ça sera 400 dollars par famille. Donc 100 dollars par personne jusqu'à 400 dollars par famille. Haidao. Haidao, il prévoit de donner... 300 dollars par famille. Donc, chaque famille, ils ont 300 dollars chaque mois pour pallier à, à cette dépense-là supplémentaire. Nos voisins ici, Indianapolis, non, Indiana, je, Indi Indianapolis, c'est chez Nani Capital. Le, nos, nos voisins euh, d'Indianapolis, eux prévoient 125 dollars par résident. Donc, vous êtes résident d'Indianapolis, ils vous donneront 125 dollars par résident. Et nos gens et nos amis, nos amis de Minnesota, à Minnesota, ils sont partis un peu trop haut. Ils prévoient de donner 1000 dollars par couple. 1000 dollars, disons par famille. 1000 dollars par famille. New Jersey, 500 dollars par famille. New Mexico. New Mexico prévoit 250 dollars pour les célibataires et 500 dollars pour le marié, donc ça sera chaque mois. New York, New York, ils ont, un peu, fait, autrement. New York, eux prévoit de ne pas donner comme ça directement. Ils prévoient que l'on puisse faire un allègement sur la taxe foncière, ceux qui ont des habitations à New York, qu'on fasse. Un allègement de 970 dollars sur la taxe foncière. Ceux qui ont des mortgages, ils connaissent combien euh, la taxe foncière, ça coûte. Hein? Alors, à New York, on prévoit de faire un allègement foncière de 970 dollars. À Virginia, on prévoit entre 250 dollars... Ah, ok. Merci beaucoup, Papa Junior, qui est là. Il vient de m'envoyer une information que je vais d'ailleurs ajouter en ça. Merci, Papa Junior, qui d'aider là. Merci beaucoup. Je veux parler de ça tout à l'heure. À, à Virginia, Virginia c'est entre 250 dollars qu'on prévoit de donner par personne et 300 dollars. Et puis, ça, c'est par individu. Et puis, pour le marié, entre 500 dollars et 600 dollars. Ce sont les États-là qui prévoient déjà de donner l'argent. C'est ce que je vous ai dit. Nous, ici, Illinois, on n'est pas là. Mais Illinois, pourtant, c'est parmi les États qui ont des taxes très élevées ici aux États-Unis. Mais quand il y a des bénéfices comme ça, on n'en on, on, on bénéficie pas. Il y a des États ici qui ont donné des argents même aux enseignants. Mais Illinois n'a pas fait ça. Illinois n'a rien fait. Mais on paye beaucoup de taxes ici. On vient de m'informer ici par notre compatriote Junior qui est de là. Il me dit que même les assurances vont aller à la hausse. Je vais lire... Un, uh, we are changing. We are changing... How? To, on about, we'll always tell you the change. We'll soon get an email. Instead of paper, if your bill goes up less and then email paper, you will go down by $100. Yeah. Non, les assurances, ça va changer. Apparemment, ce qu'on a écrit ici, ça... Va, ça va, euh, ça va aller en, oui, oui, wa, wow. uh -huh. ah ok, ils disent ceci. Ils vont vous envoyer un, un email. Bon, je lis, je lis c'est en anglais, j'ai traduit directement. Voilà. Apparemment, selon ce qu'ils ont écrit ici, les assurances aussi, ça risque de, de varier. Ça risque d'aller aussi... Euh, euh, ça risque de varier. Pas moins de 5 dollars d'ajout. Ça, c'est quand euh, on envoie des papiers. Quand, quand ils envoient ça par papier, ça va aller euh, annonce d'au moins 5 dollars au moins. Donc si c'est peu, c'est 5 dollars. Mais si vous envoyez ça par email, c'est en baisse d'à peu près moins de 100 dollars. À peu près. À peu près moins de 100 dollars. Donc c'est juste pour dire que les assurances aussi, ils vont revoir ça à la hausse. En fait, tout. Tout est maintenant. Tout est maintenant bouleversé. Les histoires euh, ont changé. Donc, ce sont les États-là qui se préparent. Cet argent, ça n'a rien à voir avec l'argent fédéral. Si jamais l'argent fédéral des 100 dollars aussi passait, ça c'est bien. Ça viendra ajouter à ce que l'État euh, local leur donnera. Donc, c'est autour de ça que je voulais que ce soir nous puissions partager. Je vous dis sincèrement merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'avais pas avisé. Je vois maintenant, on est 40 d'ailleurs. Je n'avais pas avisé. Je me suis dit que je vienne comme ça, simplement, sans annoncer. Il y a une question qui m'a été posée tout à l'heure. J'avais déjà parlé de ça. On m'a demandé de reparler. Juste un peu, je vais parler. L'argent des taxes et de vos enfants. Cet argent, on appelait l'avance sur la taxe. Crédit. C'était l'avance sur les crédits d'enfants. Ça veut dire quoi? Les vieux Matoba ici que je vois qui vient de se connecter, les vieux Matoba. Si quand en déclarant ces taxes et que l'argent alloué à l'enfant, son enfant par exemple qui s'appelle Bibiche, c'était 20 dollars, ce qui fait que en 2020 non 21 à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre nous avons eu l'avance sur les 20 dollars là. Ça veut dire, si vous calculez juillet, août, septembre, octobre, novembre et puis décembre, ça nous fait exactement six mois qui est la moitié de ces 20 dollars. Le vieux Willy Batoba, en déclarant ses taxes, on ne va plus lui donner les 20 dollars parce que l'argent qu'on avait pour les taxes de l'enfant, ça s'appelait avance de l'impôt de l'enfant. Parce que vous avez divisé cet argent par deux en ayant déjà obtenu six mois. Donc, sur la couverture de l'année, il ne vous restera que six mois. Ça sera que le 20 dollars qui devait être ajouté à votre taxe return à la fin, ça ne sera plus 20 dollars. Cette fois-là, ça sera 10 dollars. Mais il y a les gens qui ont eu cet argent-là en foule. Il y avait la possibilité quand l'IRS nous demandait, il y avait un délai qu'on avait demandé d'accepter cet argent ou de ne pas accepter. Les gens qui n'ont pas accepté de toucher à cette avance sur le, 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 le crédit des enfants, eux, ont eu leur montant full quand ils ont déclaré des taxes. Mais nous qui avions déjà, vous qui aviez déjà, chaque mois reçu cet argent, sachez que... Votre taxe ne viendra pas comme les années passées, parce qu'il y en a qui disent, non, l'IRS a veillé un problème dans son système, comment mon argent est devenu comme ça. L'autre disent, non, la personne qui a joué pour moi des taxes n'a pas bien déclaré, ainsi de suite. Non, ce pas ça le problème. Même si vous comparez, com euh, comparez aux années antérieures, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous aviez déjà eu cet argent et on ne pouvait pas vous, dou vous payer doublement. Le, con, le, le représentant ont dit que les besoins de l'enfant, ça n'attend ça, ça pas jusqu'à la fin de l'année pour qu'on donne ces crédits affectés à l'enfant. Non, on doit donner à l'enfant chaque mois, chaque mois, chaque mois. Et c'est ça. C'était l'argent étalé sur 12 mois, mais il vous donnait maintenant mensuellement au lieu que vous, vous puissiez avoir ça quand vous allez déclarer vos taxes. Et j'avais même ajouté en disant ceci si il arrivait que, ça je vais parler dans notre dinga, s'il si arrivait que, au salaka système y a n'a beta comme ça tous à la système Et que pendant la période où yo, on donnait mbongo on 250 dollars 300 dollars, mutu oyo y a salakiki pesanga n'a beta comme ça tous à la système a banéropé au mwagnoso, 250 dollars n'a yo azopesa. Soki 300 dollars n'a eu à ce qui fait que système où il fallait à personne y a eu ça à quoi qui copie ça y a un mois les sous souté parce que chaque mois à Banda qui déjà copie ça donc bon gros à copier ça y a éco bien un mois les basi bakati ti soit qui bien sûr à Banda copie ça chaque mois mais soit qui à Banda copie ça chaque mois y a et que système one donc tout le monde il faut appaiser je crois que les gens qui m'avaient posé l'autre fois la question ou aujourd'hui même j'ai eu une question avant juste de commencer j'ai dit que j'avais déjà parlé de ça mais la personne m'a dit que non, ce qui n'a encore non. Donc, en fait, c'était autour de ça que je voulais ce soir que nous et vous, nous puissions nous revoir une fois de plus. J'enlève mon chapeau invisible pour vous dire merci pour tout. Merci pour votre confiance. Je crois que je ne vais même pas commencer encore à m'annoncer. Je vais commencer seulement à venir. Comme je l'ai fait aujourd'hui, j'ai vu que vous étiez vraiment là. Je vais voir s'il y a des commentaires, s'il y a des petites questions ou des grandes questions à répondre. Je vais essayer de répondre. Au cas contraire, nous allons nous dire au revoir. Papa Mac, Mac merci beaucoup d'être connecté. Maman Janine, ah, elle a dit merci, j'avais déjà dit. Papa Kachala Arsène, bonsoir papa, merci infiniment. Merci aussi pour la vidéo, papa Arsène. J'ai eu aussi une version très originale de ça. Il y avait une vidéo qu'on avait passée l'autre fois. Papa Arsène m'en a parlé. Quelqu'un me l'a envoyé. Les enfants se marient très tôt, c'est pas bien. Je crois que j'ai envoyé à quelques, quelques représentants au pays. Hein. J'espère qu'ils vont en parler. S'ils peuvent en parler dans l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, ce sera une bonne chose. Papa Jackson Sikulu, bonsoir président. Je vous suis à partir du boulot. Bonsoir Papa Jackson. Merci de prendre votre temps pour nous écouter. Merci beaucoup. Papa Todi Saint-Patrick Saint Ngumba. Merci beaucoup. Papa Alphonse Manzanza. Merci Papa Alphonse. J'ai vu des cœurs qui montaient, des j'aime, j'aime. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Maman Fusé. nos sincères condoléances, Maman Betty Mujinga, nos condoléances. Nous allons passer à la maison. Nos sincères condoléances. Pasteur Ezekiel Lokango, papa. Bonsoir à vous, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté, Maman Mami Mouchia. Merci beaucoup. Papa Robin et Momo. Merci beaucoup. Maman Rit Bonsoir papa, je vous suis depuis Florence. Merci maman de nous suivre depuis Florence. Merci beaucoup. À Florence là-bas, partagez aussi notre direct. Appelez-nous aussi qu'on vienne manger l'histoire de Florence. Maman Yves Mayani avait dit. Papa Jean-Marie pas. Papa Jean-Marie, ça fait longtemps. Je ne vous ai pas vu en ligne. Excusez. Maintenant que je vous vois. Je viens ici vous dire encore une fois de plus. Merci infiniment. Papa Jean-Marie nous a donné des mousses. Qui sont encore ici. Nous cherchons comment envoyer ça. Nous avons envoyé une petite partie que nous allons donner à des hôpitaux là-bas ou à des orphelins ou à des hommes de vieillards. Ce n'est pas nous, c'est Papa Jean-Marie qui nous connecte, que nous prenons des histoires. Il y a aussi des lits, je suis venu, je vous ai montré. Nous disons merci beaucoup à Papa Jean-Marie. Si tous les compatriotes, nous pouvons faire comme ça, nous ne serons que les canals d'envoi. Nous irons aussi merci beaucoup à Papa Raph Kayembe qui prend les histoires de la communauté gratuitement. Il ne nous charge rien. Il prend gratuitement. Ça prend de la place dans son conteneur, mais il le fait. Je rappelle qu'il envoie le conteneur chaque mois. Papa Raf, qui a derrière une boutique à Urbana. Soutenons nos compatriotes qui font les affaires. C'est une bonne chose. Merci beaucoup, papa euh, Jean-Marie niembo Merci infiniment. Maman Yves Mayani, un problème de son. Je crois qu'on avait déjà résolu ça. Papa Michel à Bangombolé. Merci d'être connecté. Le son est bon. Les dons sont énormes. Papa Bernard aussi dit le son est bon. Le vieux Willy Likia. Papa, merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Papa Alphonse a dit le son est bon. Et ça va déjà. Ainsi de suite. Papa Alphonse. Papa Christian Dungila. Merci infiniment. Maman Finamakoba, Papa Johnny. Koye. Merci infiniment. Papa Prosper Kotumbi. Merci encore. Une fois dépiste. Papa Carlos Talongi. Merci. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Papa le vieux mato ba inflation totale c'est vrai papa c'est vraiment une inflation très totale c'est pourquoi les pays les congo nous devons commencer à produire les congo nous devons produire local nous devons produire localement pour contrecarrer tout ça il y a beaucoup de stratégies nous pouvons le faire nous pouvons le faire je crois j'aurai un jour le temps de parler de ça maman fusée merci beaucoup président maman rené kabangu merci beaucoup Papa René, ta sorry, merci beaucoup. Papa Larson Ikali, c'est avec vous que je vais terminer aujourd'hui en disant merci à Mama Olga Senemo, merci Papa Célestin Kabwe, que Dieu vous bénisse. Je rappelle encore que ici sur place nous avons deux deuils chez notre premier vice président qui pleure sa belle sœur, la femme de son frère aîné, Papa Michel Kalenga. Nous sommes de cœur avec vous, nos très sincères condoléances. Papa Zoro Dijana Anaconda, Mama Betty Mujinga, Mama fuzé. Nous sommes des cœurs avec vous. Que l'âme de maman Fusée Mukandi repose en paix. Nous avons un autre deuil sur place. Je vous ai montré les photos, des photos quand nous avons commencé. Maman Teten Zumba qui pleure son père. On va enterrer le samedi. Et ici, sur place, nous irons à Savoy, au 425 West Paradox Drive, Savoy, Illinois. Nous vous disons une fois de plus, merci. Pour tout, papa Blaise Malola, maman Christine Kimweni, que Dieu vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous. Aujourd'hui c'est jeudi. Nous, nous donnons rendez-vous samedi. Samedi nous serons ici avec beaucoup d'autres informations. Mamarite oh, Mupoi, ok, ça j'ai déjà dit. Nous serons ici le samedi. Papa Rigan Mavinga, ça fait longtemps, que je vous ai vu. En retard, on va dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne la communauté congolaise de, de Champagne, Champagne County. County attention pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament pour ceux qui se posent le sud, la question où est-il la réponse est qui est V, V, oh, oh, son. Oh, oh, oh.